Donc salut Twitch et salut YouTube. Donc étant donné que j'ai une co de merde, donc je suis en Wi-Fi, je ne peux pas faire mieux au niveau affichage du live. Je ne peux pas vous le mettre en 720p. Ça me fait chier. Je sais que ça reboutera beaucoup de monde à regarder, que ce soit en rediff YouTube, sur Twitch. Mais c'est un jeu, étant donné que je compte le faire à 100%. Donc si je dois faire un let's play dessus, j'y arriverai pas car je serai trop pressé d'y jouer. Même en faisant des épisodes d'une heure par jour pour pouvoir sortir une épisode tous les jours, ça serait pas assez. Donc je le fais en mode rediffusion sur Twitch. Je sais que la qualité va déplaire à pas mal de gens, mais je m'en fous de toute manière. Déjà de là, j'ai pas beaucoup de gens. Donc au pire, ça. Je m'en fous de me taper des pouces rouges, c'est ça pour mon plaisir. Je mets ça sur YouTube, juste parce que voilà, c'est le meilleur Zelda qui existe à l'heure actuelle. Avant c'était Skyward Sword, avant. Et si je prends parce que la nostalgie que j'ai pour Ocarina of Time, c'est Ocarina of Time le meilleur. Grâce à ma nostalgie de l'époque, le premier Zelda en 3D que j'ai fait. Mais sinon, si j'enlève ça, c'est Skyward Sword mon préféré, et bah maintenant c'est celui-là. Donc voilà, et donc je suis sur Wii U. Et je sais que la qualité sera un peu dégueulasse. Et je m'en excuse d'avance, mais j'ai pas le choix. J'ai une connexion pauvre. Prends cette tablette, Sheikah. Elle te montrera la voie après ton long sommeil. Tablette Sheikah, une mystérieuse tablette de pierre à la surface lumineuse. Bien que vous n'avez jamais vu cette tablette, son apparence vous semble familière. Vieux pantalon. Bon, j'ai pas à lire la description de tous les objets, hein. Je vais remettre en pro. Sinon, j'ai pas la. Je vais remettre en normal, sinon j'ai pas la minimap. Même si je pourrais faire sans. Ouais, j'ai rien d'autre. Place la tablette Sheikah sur le terminal. Laisse-la t'ouvrir la voie. J'ai quand même fait un truc. Étant donné que je lis le chat. Bon, il n'y a personne sur le chat, mais je lis mon chat sur mon portable. Je ne vois pas le nombre de spectateurs. Bon, j'en aurais pas grand monde vu tous les lives qu'il y a déjà sur ce jeu. Mais c'est quand même intéressant de savoir combien de gens j'ai de personnes. Donc j'ai vite fait m'ouvrir une page internet, ça va me faire laguer mais OZEF. Tu es notre lumière, celle qui Ruhl avait perdue. Va, mets-toi en route. Oh. Oui, j'ai mis ma co en PLS. C'est normal, ça a lagué, ma co a été mise en PLS. Ça devrait se restabiliser. Incessamment sous peu. Voilà, vu que j'ai ouvert une page internet. Voilà. Quand même, il est beau, même si tout le monde dit que la version Wii U est un peu en dessous, il reste quand même putainement beau ce jeu. Alors, je vous dis tout de suite, moi, je vais explorer. Avant de faire les objectifs, je vais super explorer.
Là-dessus, je suis pas pressé pour faire les objectifs de l'histoire. Yo Maxence! Comment vas-tu? Ouais, que j'ai plus d'endurance. Ok, bah merci de passer quand même. Ouais, t'inquiète, je sais, j'ai regardé pas mal de vidéos, t'inquiète pas. J'ai regardé pas mal de vidéos, donc j'ai un minimum de trucs à faire. Hé, va pas me crier! Oh oh oh! Allez! Va, ça ne fait rien, il y a assez de pommes pour deux par ici, et c'est encore meilleur grillé. Ce n'est pas tous les jours que j'aperçois quelqu'un par ici. Qui es-tu? Tu t'intéresses à un vieil homme comme moi? C'est plutôt rare, tu dois être quelqu'un de spécial. Eh bien, je suis un vieil homme qui vit seul ici depuis bien longtemps. Un vieil homme un peu fantasque. Et toi, jeune homme? Que viens-tu chercher ici? Par ici. Où sommes-nous? Tu réponds à ma question par une question. Bah bien sûr, chez Siki. Même rien que dans les trailers, je m'y attendais. Même les trailers, ça se voyait au physique du personnage. Tu réponds à mes questions par une autre question. La jeunesse de notre époque me fait vraiment perdre mes repères. Mais tu me plais, jeune homme, et notre rencontre n'est sûrement pas le fruit du hasard. Non, je suis sur Wii U, comme le titre l'indique. Wii U et faire. Je vais donc te répondre. Et aussi, comme j'ai une queue de merde, je ne peux pas liver le jeu en 720, donc je lève le jeu en 776p. C'est pour ça que le rendu est un peu moche sur le live. Moi, sur ma télé, le rendu est très bien. Mais j'ai pas le choix, j'ai une queue de merde. Nous sommes sur le plateau du Prélude, le berceau du Grand Nerul, à ce qu'on raconte. T'inquiète, je t'en veux pas. On trouve un temple sur ce plateau, un temple qui abriterait toutes les cérémonies officielles du royaume. Mais depuis 100 ans, il est en ruine, de même que le royaume tout entier. Mais il y a un truc quand même que je trouve chiant dans le jeu, c'est qu'il y a un doublage VF, mais tous les personnages VF ne sont pas doublés sur toutes les paroles. Ouais, parce que si je mettais en 720p, au moindre mouvement, ça va être pixelisé à mort. J'ai fait des tests avant de lancer le jeu. C'est pour ça. Ce n'est qu'un lieu désolé, abandonné tous. Je peux savoir ce que tu as l'intention de faire avec cet or. Comme je disais, le doublage VF, il est bien, mais ils auraient dû doubler toutes les paroles de tous les personnages principaux, c'est-à-dire de ce personnage, de Impa qu'on verra plus tard. Tous les personnages principaux, ils auraient dû doubler tous les textes. Mais bon. Jouer avec le feu! Hey, je m'appelle Borloo du Feu. Normal, je suis pyromane. Jouer avec le feu. What else? Mais tu es un vrai danger public. Regarde, pas de brûler la forêt entière. La végétation s'enflamme vite. Cela dit, il y a pas mal de monde dans les environs. Ça préfère une arme intéressante, qui sait. Mais ne va pas secouer dans tous les sens sans réfléchir. Il faut juger son adversaire. Évaluer les distances. Moi, faire cramer la forêt? Non. C'est pas mon but. Non. En aucun cas, j'avais l'intention de faire tout cramer.
File-moi les pommes. Dirige-toi vers le lieu que t'indique la carte de la tablette Sheikah. Ah salut Azogor. Ouais et encore, moi, là je vous fais même pas du 720p car le jeu il est quand même en 720p. Moi je vous fais que du 776 car j'ai une queue de merde. J'ai une queue de merde. Et il serait encore plus beau si j'avais une meilleure queue. Voilà, je cherchais à ranger mon arme. Bon, 1, 2, 3, Geronimo! Ah, tu m'as trouvé, tu m'as trouvé! Ah, mais oh, mais qu'est-ce que j'ai cru que c'était Noya. Mais attends, tu peux me voir? Je suis un corgou, une fée des bois. Alors dis-moi, si tu tombes sur Noya, tu peux lui rendre ça? Merci. Ouais, mais je sais qu'il y en a plein qui adorent la HD. Ils sont en full HD, si c'est pas HD. Ça, tu connais pas? C'est les... C'est l'évolution des... ou la forme de base des Kokiri. Ça s'appelle les Korogu et tu les vois dans Wind Waker. C'est le peuple de la forêt. En fait, mes amis adorent se cacher, et vraiment n'importe où en plus. Un peu comme moi, en fait. Si un endroit te semble suspect, il pourrait se trouver l'un d'entre eux. S'y trouve. Comment on lance? Ok. Ah, t'as joué qu'à Spirit Track. Ah ouais, moi j'ai fait tous les Zelda. Moi j'ai fait tous les Zelda. J'aimerais bien pêcher un poisson, moi. Où vous êtes, les poissons? Je sais qu'il y en a par ici. J'ai besoin d'un poisson. Car il y a une recette, faut que je teste. Et je veux savoir si j'ai raison. Sur 3DS, si on a sur 3DS et Triforce Heroes. Ah bah, lève-la les poissons. Vous cuisez pour plus de capacité, je traite de vos préparations. Sur 3DS, il n'y en a pas grand, il y en a pas beaucoup. Ah là, le Poiscaï. Bon, j'en ai deux. Ouais, Triforce et Rose. Ok, bah merci d'être passé. Et bonjour et bonne soirée à toi, Azogor. Ouais, Triforce et Rosé. Bon, avec ça, j'aimerais pas les péter. Dommage. Ah bah ouais, si t'as pas joué avant un bon moment. Merci pour le follow, mais sauf que j'ai pas vu le nom de la personne. Ça c'est ballot. J'ai pas vu le nom de la personne qui vient de me follow. Le truc il a bugué. Il me l'a pas affiché le nom. Merci à la personne qui m'a follow, même si j'ai pas pu voir ton nom, ça me l'a pas affiché. Ah, t'as pas la Yu ni la Switch. Ah bah ouais, dans ce cas... C'est sûr, c'est compliqué. Mon truc, il a bugué, j'ai pas pu voir le nom, fait chier. Allez, je te pique ton arme, vu que la mienne s'était pétée. Rouage antique. Y a rien d'autre à examiner sur toi, non?
Putain, t'as fait chier que mon truc il est bugué. J'ai pas pu voir le nom de la personne qui m'a suivi. Voilà, un meilleur pantalon. Oups. Je viens de péter mon truc. C'est vraiment fragile dans le jeu. Faut que je fasse à ce que Link puisse sauter. Bon bah ça aussi c'est pété. Ah je compte faire le jeu à 100%, c'est pour ça que j'en ai pendant un bon moment. Je compte faire le jeu vraiment à 100%, tout faire. Moi je vais prendre mon temps mais à un point que c'est pas possible. Je vais vraiment prendre mon temps sur ce jeu. Un Zelda aussi énorme, ça sert à rien de le rusher comme intérêt. Faut tout visiter. Lancer. Ouais, des flèches. Ça va plus vite pour monter comme ça. One shot, allez. Moi aussi l'histoire m'intéresse, je te rassure tout de suite. L'histoire m'intéresse aussi, mais... T'as tellement de trucs faire à côté qui peut te rapporter de bons trucs. En visitant correctement. De toute manière, je fais ce... De toute manière, je suis sur Twitch. Je m'en fous de pas avoir beaucoup de gens, personnellement. Sur Twitch. Je fais surtout ce jeu pour mon plaisir, pour pouvoir le mettre sur ma chaîne YouTube. Même si j'aurai une qualité dégueulasse. C'est parce que j'ai envie de le faire partager quand même ma vision du jeu. Parce qu'il y a des trucs que j'ai vus dans des streams, mais ça m'a fait rager les mecs qui comprenaient pas ce que disait le jeu, ils ont pas testé ce qu'il disait le jeu. J'ai dit, mais fais ça, tu verras, t'auras un bon truc. Et donc moi, je vais faire. Parce que j'ai encore jamais vu quelqu'un faire certains trucs auxquels j'ai pensé. Et j'ai vraiment envie de le tester. Bon, allons à l'intérieur du temple, allons chercher mon arc. Parce que l'arc, c'est la vie. Et surtout dans Zelda, l'avoir aussitôt, c'est génial. Non, je voulais le lancer. Ouais, mais... Tu sais, quand je... J'ai fait des tests vidéo, donc quand je compare ce que j'ai sur ma Wii U, sur ma télé, et ce que j'ai en qualité de live, la qualité est en dessous, quoi. C'est parce que je compare comme ça, en fait. Je te jure, mais j'étais tellement pressé de le faire ce jeu. Bon, bah, une fois que tu seras parti, je vais me sentir seul sur le chat, mais bon. Ah bah oui, si toi tu regardes tes vidéos en 240p, oui, c'est normal que tu trouves pas ça moche. Oui, c'est normal. Déjà, moi, il y a un truc que j'ai envie de faire, moi, ici. Que j'ai jamais vu quelqu'un faire. Bon, si, j'ai vu déjà monter jusqu'ici, mais monter encore plus haut. Ok.
Ah oui, mais moi je peux pas. Un Zelda comme ça, je peux passer une planche dessus tellement facilement. Oui, c'est la même commande pour tous les trucs. Pas souper. Il y a un truc, j'avais tellement envie de test, moi, ici. Monter tout là-haut. Parce que j'ai envie de sortir une connerie aussi. Oh, tiens, il y a un truc bizarre, tiens, sur le sommet de ce pic. Je suis le roi du monde! Et il y a un truc bizarre à examiner ici. Non, une feuille, tu m'as trouvé! Bon, bah, on va en deuxième. À la revoyure. Putain, c'est quand même beau, la vache. Je peux Discord, j'ai mon propre Discord, je peux te linker le lien. J'ai mon propre Discord. J'ai mon propre Discord, moi. Ah bah oui, bah t'es là en fait, je suis con, bah oui, tu l'es déjà sur le Discord. Je suis con, t'es déjà sur le même Discord que moi. Je suis con. Je suis con, j'ai oublié les détails. Bon. On va descendre de mon perchoir, hein. Même si c'est cool de se sentir en mode King Kong. Évitons de faire le con quand même. Oh, ça fait mal. Caméra, merci. Je viens de faire un petit saut. Mais bon. Je peux descendre par quelque part. Sans crainte de me failer monumentalement. Bah non, je me suis mis dans une conve. Je me suis mis dans une conve. Non, je me suis mis dans une conve. Je Ouais. t'entends. Comment vas-tu? Attends. Bonjour, bonjour. Salut! Blinks de voilà, Blinks le retour, Blinks le voilà. Ah, c'est Blinks! Oui. Salut Blinks. Que Bon. fais-tu ce soir, mon héros? Moi, du Zelda. Que fais-tu? Breath of the Wild, t'es chaude? Bah ouais, quoi? Tu l'as? Bah bien sûr, je l'ai. Ah oui, il est chaud, il va faire nuit blanche pour Breath of the Wild. Bah ouais. Bah ouais, ça va, hein. Moi je l'aurais, je ferais pareil, hein. Bon, j'avoue, mais... Vous me faites rager parce que moi j'aurais aimé l'avoir, mais je sais pas encore. Putain, la vie! Blitz, je l'ai pas moi aussi, hein. La vie, quoi, j'aimerais trop l'avoir. Ouais, moi aussi, j'essaie de me l'avoir pour les vacances d'été. Ouais, faut que j'attende mon anniv, le 19 octobre, putain. Ah bah moi c'est le 18 septembre. Ma mère J'ai vu un écureuil. elle a vraiment acheté. Bon, héros, va Oui. dans les ruines. Va dans les ruines. J'y suis déjà allé dans les ruines. J'en reviens. Ouais. Non mais les ruines, les ruines les autres là avec les gardiens. De quelle ruine tu parles? Il y a une ruine avec un gardien. Ah oui, Je au sais niveau plus du où il est. sanctuaire. Ouais. Vous en êtes où là? Au tout Au début. début.
Reviens là, zombie, je veux ta viande. T'as la paravoile ou pas? Bah non, pas au début. Putain, j'ai perdu mon sanglier, fais chier. Faut finir 4 sanctuaires, je crois, hein, comme ça. Pour pouvoir après... Oh merde, j'ai loupé. Je crois que ça va être le seul live de Bolero que je vais suivre à fond. Parce que c'est pas un favori, voilà. Moi j'ai coupé le son du live et je le regarde en même temps. Ouais, bah c'est ce que je vais faire. Parce que sinon après on l'entend en écho après. Bon, j'ai chassé ces pauvres écureuils qui m'ont rien fait. Et t'as pas intérêt à tuer les renards. Les pauvres. Bon. Je vais me faire des flèches en feu. Je sais pas pourquoi, mais... Tu disais ? Non, rien. Faut juste que j'apprenne à viser avec cet arc. Mais merde. Ils ont le temps d'entendre. Je vais arbrer les flèches grâce au deuxième. Ah, par contre, j'ai coupé le son du live, mais j'ai plus le son du jeu, par contre. Moi, ah bah oui. Non, c'est pas grave. Excuse-moi, mais je préfère couper le son du live pour pas tant de deux fois. Mais arrête de tirer sur le rocher, je peux pas ramasser tes flèches si tu tires sur le rocher. Où est-ce qu'elles sont les flèches? Ouais, il y a certaines flèches, je peux pas les ramasser, d'autres je peux. Logique. Putain, si t'avais le truc des bombes, moi j'aurais jeté des bombes. Moi je vais y aller dans 20 minutes. Ok. Faudrait que j'y revienne de toute manière ici. Bon, j'ai mon son du live. Bon, je vais quand même aller à l'objectif pour avoir la topographie de la map. La prochaine fois que je sache du sanglier, je prendrai l'arc de soldat que j'ai droppé. Ça sera mieux. Eh punaise, il y a là l'écart. Oh, ça va, il n'y a pas d'écart, mais il y a un peu d'écart par rapport à ce qu'il dit. Ah, bah oui, normal, il y a toujours des écarts sur les lives. Ouais. Bon, faut que j'arrive à one shot ce putain de mocoblin là-bas. One shot dans les règles. Moi j'aime bien le gardien. Ouh, j'ai tiré trop loin. Allez, retourne de toi, sinon je peux pas te headshot, mec. Possible, j'ai vis comme une merde. Il a pas pu appeler les autres parce qu'il y a un truc que je veux faire ici.
Y a un truc que je veux tester, que j'ai jamais vu test dans le jeu. Heureux, j'ai un crash de coup. Oh non. Tirer sur la corde pour tout faire sauter. Ça, je l'ai pas encore vu. Oh, ça fonctionne! Miam. Et là, nous avons une mort ridicule car mon arme étant pas assez puissante, il m'a liquidé. Putain, ça m'énerve. Mon arme était pas assez puissante donc ça lui a pas cassé sa garde. Donc je me suis fait lutter comme une merde. Ouais, trop. Game over. Bon, moi, je recommence en ayant toutes mes flèches. Je vais rester sur le chat parce que j'ai pas assez de quoi pour faire Discord plus le live. Ouais, bah moi ça va. Pour une fois ça marche. Ça oh merde, il m'a repéré. Bon, je me pète. Il m'a repéré. Tu te castes ? Ouais. Bon, du coup, je reste en mode Epic Pocket. Voilà. Non, ce qui est bien, c'est de les défoncer pendant qu'ils dorment. Ouais, bah là c'est le seul jour donc je peux pas le faire. Ouais, non, mais j'ai vu un live et en gros, le gars il les défonçait pendant qu'il dorme. Ah oh ouais, c'est pas trop dur. One shot, shot. Tu vas en mode surprise et puis voilà. Comme j'ai fait tout à l'heure avec le mot blind, ouais, dans le temple. Oh, attends, je reprends ça tout à l'heure. Link, en fait, il avait quand même un balai en fait. D'ici, je peux pas arrêter le headshot. Ah là. Ok, tu t'es TP ou c'était moi? Oh putain. On va changer d'arme parce que sinon... Ouais, non. Sinon je vais pas réussir à les tuer. Ah putain, mes barres de connexion et maintenant j'ai plus qu'une. Le mec il a cramé. Ce qui est marrant, c'est quand ça crame, à cause de l'air chaud, ça fait une dépression d'air et ça soulève. C'est excellent, c'est tellement bien fait. Ah oui, j'ai vraiment fait tout sauter, quoi. Non, il n'y a pas des flèches qui traînent. Oh, je suis déçu. Tu vas à la tour, là, ou pas? Ouais, je vais y aller. Mais ils étaient sur le chemin. Comme j'avais envie de tester un truc. Tu comptes terminer vers quelle heure? Le live, tu comptes le terminer vers quelle heure? 6h du matin? Non, je compte y jouer tout samedi aussi. Quand je dis tout samedi, en gros, tu fais un live en fait. Ou t'en as 20h. Je fais quoi? T'as bugué au même moment? T'es là? Oui. Ok, non, j'ai cru que ça avait bugué. Non. Non, mais je vais faire un live vraiment. J'ai préparé les trucs à bouffer, la boisson pour grignoter. À côté de moi, j'ai Coca. J'ai un peu de Coca pour la soirée. Qu'on fait des pauses toutes les heures ou... Non, je fais pas de pause. Si je grignoterai un truc vite fait, hein, en même temps qu'en jouant. Ah, je fais pas de pause, tu rigoles. Non,
Non, je sais pas parce que je sais pas par exemple, je sais pas parce que genre, les streamers ils font des pubs les heures. Oh non, ça c'est les mecs qui veulent mettre des pubs. Mais moi comme je suis pas partenaire, je peux pas mettre du pub et même si je pouvais, je le ferais pas. Ouais. Ça me saoule les pubs toutes les pots sous les heures. Les pubs, en plus, elles sont en plus, elles sont chiantes, on peut pas les faire passer. Puis moi, je passe tout mon portable, j'ai un anti-pub, alors, à part sur Twitch. Mais pour YouTube, j'ai jamais de pub. Bon bah, vu que je suis à côté de la tour, on va l'ouvrir, hein. Ah moi je te jure, moi la première zone, je vais la faire de long en large et en travers. Hein. Je vais être au moins pendant 3-4 heures sur cette zone. Parce que ça fait trop bugger Discord. Ok, bon bah tu resteras sur le chat, c'est pas grave. Et puis de toute Oh, manière même tu. pour l'instant, je vais rester un peu comme ça. De toute façon, je pars dans 10 Ouais minutes. bah ouais en Je pourrais plus. être là. J'étais à Discord et je vais avoir l'autre live. En plus, là, vu qu'il est en vacances, il est en train de streamer. Il a déjà streamé cet après-midi. Je crois de 15h à 20h. Puis après, il restream de 21h jusqu'à minuit. J'aurais pu stream cet après, mais je préférais garder pour soir, j'avais des trucs à faire, faire des réglages pour le jeu et tout le bordel. Mais il est trop beau ce putain de jeu. Il sera encore plus beau si je l'avais sur Switch. Ouais, c'est. Mais il y a quand même des lags hein, sur la Twitch. Des fois, il y a des grosses prises. Oh, tu sais, moi je m'en fous un peu, moi. Bah, surtout, tu rentres dans une nouvelle zone. T'as un grand freeze de pendant. Un freeze pendant 60 secondes, même pas. Et puis après, ça repart. J'ai vu des gens jouer, ils ont pas eu plus de bugs que ça. Donc, Ouais, c'est juste des petits bugs de temps en temps, mais ça va. moi je dis heureusement qu'il y a des sauvegardes automatiques dans le jeu. Ouais. Sans sauvegarde automatique, il serait tellement dur. Quand tu te fais one shot par un mob ou que t'avais pas prévu. C'est pas faux. C'est faux. Chut. Yo, Epic! Ouais, enfin, heureux, ouais. Bah, il sera trop tard. Vu comment je vais prendre mon temps. Fais vite? Non, on connaît pas ce mot. Pas dans le jeu. Pas dans le jeu, je connais pas le mot fais vite dans le jeu. Il n'existe pas chez moi. C'est je vais prendre tout mon temps, je vais tuer tout le monde. Car sauver le monde, je m'en fous, Royal. Et par contre, j'ai remarqué que là, c'est devenu pratiquement le jeu le plus populaire Twitch? depuis. Ouais, de base de tout. Ce qui est dommage, c'est que vu tous les lives FR qu'il y aura, j'aurai pas grand monde à mon avis. Vu la qualité que je propose, tout le monde préfère aller sur des trucs HD. Mais bon, Gozef. Oui, je vais faire ce Zelda à 100%, toutes les quêtes, tous les sanctuaires, toutes les noix de Korogu. Je vais essayer de tout faire à 100% sans Solus. Tiens, tiens, voilà une surprise. Toutes ces tours qui s'élèvent les unes après les autres. Soit je me trompe, soit une grande puissance longtemps spire fait surface en Hyrule. Non, non, c'est lui qui bug. Alors comment ça s'est passé là-haut? Alors je m'appelle Jeanne d'Arc et j'entends la voix de la déesse Illya.
Les présentations sont faites. T'as entendu une voix qui semblait venir du château? Et cette voix, tu as reconnu? Oui, mais... J'ai pas le droit de choisir cette proposition, donc non. Ah, salut, salut Cactus, comment vas-tu? Je vois, c'est bien dommage. J'imagine que tu as remarqué l'aura magnifique qui mène du château. C'est celle de Ganon, le fléau. Bon, au moins, j'ai les gens que j'ai l'habitude de connaître, quoi. Les pickpockets que j'ai connus grâce à Pokémon, bah, Cactus que je connais sur Room Station. Au moins, j'aurai mes petits habitués, même si on n'est pas nombreux. Il y a 100 ans, un fléau a semé la ruine et la désolation dans la Rome d'Hyrule. Il a paru soudainement et a ravagé ville et village et a laissé derrière lui un sillage de mort. Mais depuis 100 ans, sa puissance destructrice est contenue entre les murs du symbole même de notre royaume. Ah, je vais très bien, je vais très bien. Je suis trop content d'être sur ce jeu. C'est quoi le bruit qui fait ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta? Salut Mulafraga, comment vas-tu? Le château de Ruel est sa prison, et tant qu'il est retenu, les contrées environnantes sont à l'abri de sa fureur. Dis-moi, jeune ami, aurais-tu attention de partir pour le château? En effet. Je m'en doutais. Mais ce plateau est coupé du reste du monde par de profonds ravins qui l'entourent. Si tu sautais d'ici, ton corps finirait brisé par la hauteur de la chute. Évidemment, si t'avais une part à voile comme moi, ça serait une autre histoire. Donne-la-moi. Oh, oh, avec plaisir, mon garçon. À une petite condition, toutefois. Voyons voir. Passons à marcher, toi et moi. Il y a un grand trésor sur ce plateau. Un trésor qui m'intéresse. Par ici, suis-moi. Mais faites, mon bras, faites. Regarde dans cette direction, tu la vois, n'est-ce pas? L'entrée du sanctuaire brillante d'une lumière mystérieuse. Elle s'est allumée au moment où la tour est sortie de terre. Tu peux être sûr que c'est ce genre de droit qui recèle mon trésor. Tu veux ma paroi, n'est-ce pas? Eh bien, ce sont les trésors qui m'intéressent. Venez là, les petits poissons! Allez! Dans le jeu, les cannes à pêche, c'est pour les faibles. Bon merde, j'ai perdu l'autre de vue, mais on s'en fout. Oups, fail. Est-ce que j'arriverai à en prendre un par surprise ou un des deux va me caler avant? C'est pas bien d'attaquer dans le dos, gamin. Non, t'as pas largué de flèche? Oh, bande de radins de flèche. Ah bah non, j'ai pas la suite, désolé, j'ai pas le fric pour me l'acheter, hein. Bah si tu me la payes, je veux bien jouer à la Switch. Hein. Si tu me la payes, moi je veux bien y jouer. Bon, quelle arme je peux jeter qui me sert à rien? Allez, lancer de... Je sais pas comment tu t'appelles.
Ah, il y a un truc là. Grenouille. Bah merde! Je l'ai perdu de vue cette conne. Tiens, il y a un troll de truc ici. Non, c'est moi qui psychote? Non, c'est moi qui psychotais, ok. Non, il n'est pas examiné celui-là? Dommage, j'ai pas réussi à avoir une grenouille. On va essayer de choper le papillon si on peut l'avoir. S'il n'est pas trop haut pour ça. Bien sûr que j'aime bien le jeu. Papillon. Ah bah oui, je peux choper le papillon. Ah bah en plus j'en ai déjà un vu que j'ai pas eu le message habituel. Il n'y a pas une grenouille qui traîne dans le coin? Non, j'arriverai pas à en avoir d'autres. Bon bah, faut arrêter la chasse aux papillons qui n'existent pas. Du moins en grenouille. Non, mais à mon avis, ça a dû bien grimper. À mon avis, ça a dû bien grimper à cause de ce jeu. Mais vas-y, dis-moi, ça c'est quoi le prix? Que je rigole. Un vieux Zelda, lol. Un vieux Zelda. Ouais, bon, vous répétez tout le temps ça. J'ai la flemme de le dire ça. Vous répétez tout le temps la même chose dans les trucs là. Je vais pas le lire, ça sert à rien. Ah, cette musique. Bon, on va voir comment on gère, parce que c'est bien beau de voir les joueurs l'utiliser, mais... C'est bien, avec le gyroscope du Wii U Gamepad, on peut faire des trucs. Ah ouais, autant ça c'est une Switch! Autant ça c'est une Switch directement! Ça vaut plus le coup! Oula, j'ai failli me faire tuer moi! Faisons gaffe à pas mourir. Parce qu'avec le Wii Gamepad, ça a tendance à vite fait à... Bon, je vais y aller avec quelle arme? Faut que j'utilise mes armes pourries.
Bon, ça a posé problème, vu dans quel sens je l'ai pris, ça a posé problème, là. Ça a posé problème, j'arriverai pas à le faire en mode pont. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Voilà, c'est pas si facile à gérer que ça avec le gyroscope. Ah, faut prendre le coup de main avec le truc là, la vache! Bon, pour jeter les arcs, t'es obligé de passer par le menu. C'est pas comme les autres armes que tu peux jeter normalement. Ouais, je sais, vous dites tout ça. Faut arrêter de radoter, les vieux. Lol. Ninja! Non, j'ai pas de frère, j'ai que trois grandes sœurs. Je vois que tu réussis à obtenir un emblème du triomphe. Avant tout, permets-moi de te féliciter. Et ma paravoile? Eh bien, c'est bon, tu veux bien, j'ai dit avant tout, il me semble. Alors, attends la suite. Tu sais que... Tu sais, ces tours qui sont sorties de terre, ces sanctuaires qui se mènent à nouveau. Tout ça, c'est grâce à la table échecale que tu portes, à la ceinture. Et ma paravoile, dans ça? Écoute-moi quand je te parle! Il y a bien longtemps, ces contrées étaient peuplées de la grande civilisation Sheikah. On raconte que leur sagesse et leur pouvoir ont maintiré ces terres des crises qu'elles traversaient. Il semble qu'il ait disparu il y a bien longtemps, mais ces sanctuaires abritent peut-être des traces de leur passage. Écoute, ce que je vais te dire, tu trouveras des sanctuaires comme celui-ci sur tout le territoire. Rien que sur ce plateau, il y en a encore trois qui t'attendent. Apporte-moi l'emblème du triomphe de chacun de ces sanctuaires et je te donnerai ma paravoile. Mais il en faut encore? Oui, à bien réfléchir, j'aimerais bien avoir les autres, mais je suis sûr que ça ne te posera pas le moindre problème. Viens voir, je vais te montrer une astuce pour repérer les sanctuaires. Pas seulement les sanctuaires d'ailleurs. Comme tu cherches, c'est toujours une bonne idée de scruter les alentours depuis un point élevé. Voyons voir. Qu'aurais-tu dit que ça aidait cette tour à nouveau? C'est parti! Calme-toi, mon garçon, laisse-moi d'abord te montrer quelque chose. Jette un œil sur la carte de la tablette Sheikah. C'est toi, Tomer? Ouais. Tu vois ces symboles bleus sur la tour et sur la tour et les sanctuaires d'où tu viens? À ce qu'on raconte, le pouvoir de la tablette Sheikah te permet de te téléporter jusqu'à ces points précis. C'est ce que j'ai entendu il y a bien longtemps. Je ne peux pas te garantir que ce soit réel, que ce soit la vérité du monde.
Ouais, mais avant d'y aller, je vais faire tout ce qu'il y a à faire dans la zone avec mon nouveau pouvoir.